Donc voilà les potos, on se retrouve à l'intérieur du SWC où il y avait des joueurs qui s'entraînaient, qui faisaient également des matchs ici. Avec les écrans qui se trouvent. Alors attendez, vous voyez voir si on voit bien. On voit bien, c'est bon. Donc voilà, là, c'est les joueurs qui s'entraînent et tout. On peut voir Call of Duty League, Call of Duty, les écrans et tout. Là, de ce côté-ci, il y avait Clash Royale, les compétitions. Attendez, je me retourne. Les compétitions qui étaient de Clash Royale ici avec les joueurs de Millennium. Il y a des joueurs de Millennium également qui font des matchs de Clash Royale. C'était vraiment impressionnant. Là, c'était des joueurs professionnels. Il y avait pas mal de célébrités de Clash Royale. Aide-moi un petit peu le nom de la personne qu'on a vu hier. Dova King for iPhone. Comment? Dova King. Dova King qui était là hier. On a pris une photo et franchement, c'était super bien. Il y avait un excellent match. Donc là, je pense qu'ils sont en train de tout déplier. Là également sont les présentateurs qui représentent le match. Et là on peut voir également des joueurs qui sont en train de encore jouer à une fille, tu vois pas. C'est vraiment impressionnant, les mecs ils en veulent, ils ont pas envie de lâcher. Et franchement, les gars, je les respecte, franchement c'est super bien. Les gars ils se donnent à fond pour s'entraîner comme vous pouvez voir. Alors moi on dit que je suis un joueur qui s'entraîne à 24, mais quand on voit le niveau de ces gars, c'est vraiment impressionnant. Allez venez, on va faire un petit tour. Attends, Donc voilà, il y a également un stand ici où on peut acheter des maillots, donc de Millennium, de Stephen. Et également, il y a un pull que j'arrive à acheter. Alors, je vais vous montrer le pull en question. Donc voilà, là, comme vous pouvez voir, il y a le pull. Et oui, le pull de Zach Nani. Et ouais, franchement, le pull de Zach Nani, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un youtubeur qui a fait des vidéos avec Gotha et qui a également joué en compétition il y a très longtemps. Et aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, il fait des émissions sur Eclipsa, LOL, Eclipsa Family. Franchement, je vous conseille les chaînes. Donc voilà, ici se passent les matchs. Ici se passent les matchs de ESWC où il va affronter les FaZe contre les Optic Gaming. Et franchement, ça va donner du lourd, ça va. Franchement, les gars, ils vont allumer le match. Ça va être un match fifou. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, malheureusement, je ne pourrai pas faire de vidéo. Mais je vous dirai le résultat des matchs. Allez, venez voir, on va faire un tour aux autres stands. Donc voilà, ce sont les stands où ils vont s'entraîner et tout, partager leur match. Où ils s'entraînaient également, il y a un présentateur qui est ici. Hein, franchement, on l'a vu tout à l'heure, on était en proscope. Franchement, c'était quand même vraiment bien. Ça a appris beaucoup de choses. Voilà, il y a également d'autres présentateurs qui animent les matchs américains. Ici. Les Américains qui sont ici pour animer les matchs aux États-Unis. Avec, comme vous pouvez voir, le classement. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir zoomer un petit peu avec le classement. Donc, non, on voit que c'est mort. Hein, c'est mort. Donc, le classement, on va vous dire, franchement, je vois, ça va être la FaZe Clan contre les Optic Gaming. Ça va être le bordel. Allez, venez voir, on va faire un bordel. Vas-y. Donc voilà, on se retrouve également devant le stand de Scott Gaming où il y a les manettes Xbox qui sont ici. Voilà les manettes Xbox qu'on peut voir et tout. Également les sacoches qui sont pas très chères, que ce soit sur PS4 ou Xbox, ça fait vraiment plaisir. Donc hier en face de nous hier, il y avait également le frère de Gotaga qui était Carbone, donc je lui en étais pas. Également. Voilà, une photo dédicacée, ça fait vraiment plaisir. Je vais vous laisser 4 euros à la scade.
gaming. Petit tuto gaming. Et franchement, je vous dis à tout à l'heure les photos et je vous dis à la résultat. Allez, à tout de suite.